Je n'aime pas ce personnage. J'ai envie de te prendre la tête, de la frapper contre la commode, et d'essuyer le sang qu'il y aura sur ton visage, avec le jus de viande répandu sur le parchemin de Misty Fay. Je ne t'aime pas, mais tu le sais. Bonjour à tous et à toutes, je suis venu pour le feuilleton policier. Regardez à la place de Columbo, et ça c'est beau. Phoenix Wright, Ace Attorney, Trials and Tribulations. Dernier épisode des révélations. Que de révélations. Elise Doxim était la mère de Maya et Mia Fey, car son vrai nom était Misty Fey. Car elle avait le pendentif du clan Curin, je crois, je ne sais plus. Elle aurait été tuée par Iris elle-même. Sauf que, lors du premier procès, nous avons découvert que le Sachisito n'était pas l'arme du crime. Qu'elle aurait été tuée ailleurs. Et lorsque Detective a réussi à réparer le pont menant au sanctuaire intérieur, ou au temple intérieur, je ne sais plus, nous avons découvert d'autres indices dans le jardin. Notamment, du sang. Du sang avec marqué Maya dessus. Maya sera-t-elle la véritable coupable? Encore? Pour la troisième fois ou la quatrième? Je ne sais plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Iris nous cache encore des choses, car des verrous psychés bloquent un secret derrière cette grotte. Mais demandons-lui ce qui s'est passé. Et bien sûr, procurez-vous un café. Parce que Godot. Oui, c'est vrai. Et arrête de pleurer, arrête de pleurer. Je vais te baffer sinon. Je vais te faire du mal. J'ai envie de te faire du mal d'ailleurs. Nous sommes bientôt à la fin de ce jour. Nous y sommes bientôt. Et je veux savoir la fin. Et j'ai envie de comprendre. Est-ce qu'Iris a commandité? A-t-elle ordonné le meurtre des Doxim? Est-elle quelqu'un d'autre? Est-elle la personne que l'on pense qu'elle n'est pas, mais qu'on croyait qu'elle est? Ces réponses trouveront-elles un sens à la fin de potentiellement une heure de cet épisode? Je dirais bien de faire toutes les combinaisons possibles. Voilà. Une journée. J'ai le temps. J'ai trop le temps. Allez, bouge ton cul. Allez, plus vite. Accroche-toi, Maya, plus dans ta force. Et ton courage aussi. Et enfin, la question que tout le monde se pose, où étais-tu la nuit du meurtre? Et si le scénario est en scénarium, je pense qu'il y aura une phase de verrou psychai. As-tu des facultés que la plupart de la race humaine ne connaîtrait pas ou refuse de croire? Ou bien es-tu une sale connasse qui essaye de mentir et de me cacher la vérité? Je penche pour la deuxième option. Mais si je n'ai pas de preuve. Je n'ai pas de preuve pour le moment, tu vois. Chat. Je te laisse la belle fille du doute. Pleure. Des larmes de désolation. Pendant ce temps dans le jardin. Où Hunter a dit qu'il se rendait. Eh bien, il y a toujours du sang.
Et la police est là. Ah ouais, le sang que vous voyez sur ce magnifique... Alors je ne sais pas si c'est un phare, une lumière. Sur ce monument, voilà. Eh bien, il y a du sang. Avec un inscrit Maya dessus. Et une parcelle de terre non neigeuse. Ce qui fait que quelque chose a été bougé. Hunter, reviens là, s'il te plaît. Non, j'ai des questions à te poser. Plein de questions. Hunter, tu es très beau. Tu es vraiment, vraiment, vraiment beau. Oui, je voudrais le savoir. Mais avant, je vais te poser d'autres questions. Parce que je sais que ce sera la dernière discussion. Voilà. Où en est l'enquête? Alors. Ouais, je vois. Le message de sang et le talisman trouvé. Et oui, c'était le talisman qui a voulu tout dire. Ouais. Maya, évidemment que si. Parce que parce que le scénario le veut. Ouais, il faut te mettre l'attention. Ah, c'est déjà ça, c'est un début. Histoire. Voilà. Rappelez-vous. Les dernières affaires. Enfin, la quatrième affaire du premier opus. Toutes les histoires seront liées entre elles. Une chronologie imperturbable, ça ne veut rien dire. Mais une chronologie aux petits oignons. Enfin, comme la chronologie Zelda où c'est le bordel, et où il y a plein de chronologies, il y en a au moins une bonne dizaine, voire plus. Je ne connais pas. Puise dans ton cosmos, Hunter. Et donc Iris. Au tribunal. Et là, j'ai une idée stupide qui me vient en tête. Est-ce que Iris, ce serait pas une phase, j'ai envie de dire une phase test, un procès de test pour voir si les procureurs peuvent se débrouiller tout seuls. C'est un peu con dit comme ça. C'est, est-ce que dans la procédure de Phoenix Wright, il y aurait toujours deux personnes qui seront désignées, toujours un qui sera le client et l'autre qui sera le coupable. Bah non, c'est débile parce que... Non, c'est con parce que si c'était comme ça, ça voudrait dire que Phoenix Wright aurait été, il serait complice. Non, j'ai rien dit. C'est con, ça pourrait être ça. Le roi est sorti au tribunal. Mon affaire plus dur, comme par hasard. Qui est-elle? Tu me fais chier. Tu fais très très chier, Hunter. Ouais. Ah oui, et pourquoi les mots de cette boîte de dialogue sont-elles en orange? Vite, des preuves. Présenter. Non, pas. Pourquoi j'ai fait me déplacer? Vite, présentons des preuves. Vite. Tiens, prends ça. Ah mais on est potes, c'est bon, calme-toi. D'accord, alors je vais te présenter. Merde, elle est nulle part. Dis-moi tout ce que tu sais, putain.
Mais il a rien découvert, il l'a dit. Il ne sait rien. Je vais devoir aller moi-même au poste pour découvrir la sombre vérité. Cependant, je vais aller au portail maintenant. Portail, la police peut-être. Ou quelqu'un. Ou je ne sais pas. Ah bah perle, évidemment. C'est très très calme, on s'emmerde un peu. Alors, moi je continue de me dire que cet incinérateur a quelque chose à cacher. Je suis déçu. Je suis déçu. Bon, il n'y a rien là. Alors, allons. Au pont suspendu. C'est une très bonne remarque. Paul peut bouder. Est-ce que Paul boude? Ah, il y a Perle. Ça alors, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu mens. D'accord, non mais Paul, ouais. Attends, c'est de moi que tu parles? Eh dis donc, espèce de sale petite merde, c'est qui invente des histoires pour draguer de la meuf, hein? Moi j'ai envie de te dire, attention. Oh là là, tu me déçois. Est-ce que c'est beau? Ouais, des flammes et tout. Comment tu sais? Non, mais on va te le dire combien de fois t'as vu un truc et puis voilà. T'as eu du crime, où étais-tu? Merde. Ne pas aborder ce sujet directement avec les enfants mineurs. Je retiens. Non, pas toi, pas toi, pas toi, s'il te plaît, pas toi. Non, pas toi, s'il te plaît, pas toi. Non, pas deuxième, merde. Bon, ok, c'est pas. Allez, tu me caches quelque chose, Perle. Oh, c'est très beau, il y en a 5, mais c'est très très beau, dis donc. Ça fait une espèce d'arche. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Tu la vois celle-là maintenant. Quoi? Pardon, excuse-moi. Non mais je croyais pas au début, mais je ne comprends plus du tout. Bon, bah... J'en déduis qu'Iris, c'était la phase facile, tu vois?
Là, on a eu une très belle arche de Véro Psyché. Je trouve ça extrêmement pas mal. Mais comment ça, tes pouvoirs ont disparu, en fait, pendant que je bois un superbe café? Je sais pas. Non, mais un réflexe. Ah ah, ça fait mal, hein. Non mais même toi tu chiales, s'il te plaît. Pourquoi? Autant Iris, je l'aime pas. Mais père, merde, s'il te plaît, pas toi. Bon, retournons voir la police. Je vais aller voir la police. Ah bah non, faut que je me démerde avec ce que j'ai. Oh, ça va être chiant. Débloquons au moins des nouveaux endroits, s'il vous plaît. Un petit café. Ne pas abuser sur le café, par contre, les enfants. C'est très dangereux. Toi, t'as l'air très très terrifié. Je sais pas pourquoi. Je raconte l'histoire dans un superbe passage de temps, flash forward. C'est le twist principal de cette partie 3. Oui, s'il te plaît. Raconte-moi tout. Et si c'était la sœur de Misty Fay. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est celle qui a une superbe coupe de cheveux dégueulasse. Et qui est la fille de... qui est la mère de Perle. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Oui, c'est la famille collatérale. Je le savais. Tout ça est évident. Pourquoi ce n'est pas étonnant? Pourquoi ça ne m'étonne pas? J'ai envie de te dire ouais un petit peu. Non, parce que on va pas se mentir. Hein. Parce que le crime, c'est mal. Mais le pouvoir, c'est mieux. Hein, n'est-ce pas? Si tu es d'accord, tu mets un like et tu t'abonnes. Voilà. Non. Enfin si, j'ai eu des. J'ai eu quelques fois des trucs, voilà. Notamment sa sœur, enfin, surtout sa sœur, mais pas le reste. Voilà, on te met bien des petits costumes trop cool. Connu dans le monde entier. Alors, je coupe mon micro des fois parce que soit je bois, soit je me mouche, et voilà. Parapsychologie. Oh, trop de lettres, trop de syllabes. On s'en fond. La petite erreur de Misty Fay pendant l'affaire Benjamin Hunter, je crois. Ouais, c'est ça. À cause de cet incident. L'incident de Benjamin Hunter. Oui, évidemment. Bah, s'il te plaît. Voilà, l'affaire DL-6. Alors là, on te parle du premier opus. Donc tu vois, ça se tient. Il y a une corrélation entre le 1 et le 3.
enfin entre l'affaire 4 et cette affaire là, il y a une corrélation, il y a un truc, tu vois, il y a comme ça. Ça s'imbrique. Donc parle-moi de l'affaire de L-6. Que je voudrais au moins savoir pourquoi ça s'appelle L-6. Tu la connais bien, je m'en suis occupé. C'était cool. Ouais. Flashback. Enfin, à l'époque, ça faisait 15. Oh, magnifique. Oh, c'est beau. Alors, il n'a pas été déclaré non coupable, par contre. Il a été déclaré souffrant de je ne sais plus quoi. Tout le monde a dit tu es une merde, va te faire foutre. Sérieux? Ah bah cool. Où est ma thune alors? Ouais, y a pas trop de choix, je crois. Plein de rebondissements, voyez-vous, hein. Trop de choses. Oui. Ah, tu as entendu parler de ce qui est, voilà. Ah oui. Voilà, exactement. Avant l'épisode 2 du premier opus. Faisons de la pub. Cool. Ah bon? Ah tiens. Sa tante, voilà. Sa tante qui s'appelle... Je sais plus. Morgane, voilà. C'est ça, Morgane Faye. Voilà, au village Curin, l'Andarion. Putain, mais vous voyez comment ça s'imbrique? Les vrais épisodes s'imbriquent, voyez-vous. Oula, attention, 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 attention. Révélation twist de ouf. Comment ça la fille? Attention twist. Voilà. Maintenant, on est dans le cœur du sujet. La grosse merde. Elle arrive donc de fille, cette personne. Non, j'étais pas au courant. Non, j'étais pas au courant. Ça explique ce couleur de cheveux, je crois. Et oui. 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 C'est ça. Et derrière les barreaux. Oh, regardez. Ce plan de méchant. Mais là, ce que Morgane n'avait pas prévu, c'est que Perle n'a plus de pouvoir. Et on continue sur les révélations, voyez-vous.
Là, oui. Encore plus de plot twist. Donc, on a Iris. Mais Perle. Quoi? Je comprends plus rien. Je suis largué. Je comprends plus rien. Attendez. Alors, après la perte. Voilà. Voilà. Donc. Oh, regardez. Il l'a quitté. Voilà. Oh. Oh, Benjamin, je viens de comprendre. Et c'était Iris. Donc ça signifierait que Perle est la fille de Morgane. Et donc Iris a une sœur jumelle qui est Dahlia Plantule. Ce qui explique pourquoi je l'ai prise pour Dahlia. Oh ce mind. Oh là, oula, ça pique. Attention. Alors là, Vikini, t'as été super utile. Si je te ferais un quin, si je pouvais. Pourquoi ça m'étonne pas? Oui. Oui, c'est normal. Oh, vous allez pas croire en quoi, au phénomène de cause-conséquence à ce point. Mais oui. Vite, posons plus de questions. Mais pas ici. Allons voir Hunter. Allons dans la cour par contre. Hein, c'est peut-être qu'il se passe un truc dans cette magnifique cour. Mais t'es révélé. Ah bah tiens. Oh, détective. Super, t'as la dernière personne que je voulais voir. Ouais. Depuis au moins 2 minutes, hein. À part reprendre du Claude François. Tu mènes l'enquête, ça alors. C'est un sachicito, déjà. J'arrive à le dire. Je vais voir cette arme dans en reforgeant en vrai. Ce serait cool. Est-ce que je pourrais l'avoir quand même? S'il te plaît. Donnez-moi. Pas ta pute. Cordialement. Une cuillère, calmez-vous. Ça ne m'étonne pas. Oui, ça te reste au nom de Maya. Putain quoi, on est à 30 minutes, on a eu toute la révélation. Moi j'ai envie de dire trop de révélations dans cet épisode. Ah, Godao. Ou alors il y a un plot twist de ouf. Alors attention, j'annonce plot twist de ouf. Godao. C'est l'ancien mari de Morgan Fay. J'annonce. Là je prévois l'avenir. J'annonce un truc, je prévois quelque chose. Ça explique pourquoi il y avait rien. Voilà.
Je le savais. Enfin, Phoenix le savait. Et c'est toi qui as la lettre. Tu peux me la donner, s'il te plaît. Pas ta pute. Oh putain, oui. S'il te plaît. Oh, merci. C'est un peu compliqué. C'est un tout petit peu compliqué. Légèrement compliqué. Oui. Oui, d'accord, monsieur. Arme du crime, tu trouves? Oh mon dieu, je crois que cette affaire surpasse toutes les autres. Je tiens à dire que cette affaire est celle avec le plus d'embondissements du monde. Dans la trilogie des Phoenix Wright. Parce qu'après, c'est Abreu Justice. En fait, c'est la trilogie Phoenix Wright avec Justice for All, Trace the Humiliation, les trois premiers. Ensuite, on a Abreu Justice, qui nous parle de notre avocat, donc Apollo. Ensuite, on a le 5, qui est, si je dis pas de bêtises, Spirit of Justice. Ensuite, on a Degekuten Saiban. Et après, on a le... je sais plus lequel, parce que je ne sais plus. Oui, je suis un poulet. Ah, lol. Donc je reviens à ce que je dis au début. Cette affaire est la meilleure des trois premiers. Parce que trop de choses, trop de twists, de révélations, de choses. Mais jouez à Phoenix Wright, putain, qu'est-ce que vous attendez? Ouais. Jusque là ça se tient. Ah. Vas-y, impressionne-moi. Allez, vas-y. Mais jouons ça. Faisons les experts médicaux légales. Allez. Oh mon dieu, une phase de gameplay innovante! Oh mon dieu! On ne l'avait pas vu depuis je sais pas combien de temps. Par contre, ça brise un petit peu les oreilles. Et j'avoue que ça nique un peu les oreilles quand même. Ah, vite, c'est moi qui joue. Appuie sur A, appuie sur A. Ça brise un petit peu les oreilles par contre. Vite. Non. Non, ça c'est un escabeau. Ça c'est la statue. Ah. C'est le bâton ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Crac. Crac. Quand ça craque. Non. Oh, bordel. Nouveau twist.
Alors là, là vous voyez, je ne peux rien dire. Une canne épée. Ouais. Ouais, moi je... Bon, bah ajoutons cela au dossier de l'affaire. S'il te plaît. Hein. Ah, c'est une vraie question. Tout cela. Non, 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 attends, attends, attends. Il faut faire des analyses possèdes. Ouais, allez, vas-y, mon gars. Vas-y, go, 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 go. Fonce, fais un truc. Bon, moi, j'ai continué. À la fin, oui, non, mais arrête avec le tour. Reviens ici, du con. Écoute-moi bien, personne ne doit savoir pour ça. Personne ne doit savoir pour ça. Si, c'est le problème. Exactement, ouais. C'est un simple bâton. C'est un bâton. Y'a un taré. T'as de quoi payer? Est-ce que tu as de quoi payer? Regardez. C'est une vraie question aussi. Examinons, je l'ai pas fini. Faisons un check. Merde, fou. Ah putain. À moins que c'était juste pour cette phase. Oh non, c'était juste pour cette phase. Alors, vérifions c'est. Sois prudent une fois la nuit tombée. Dès que tu entendras les cloches d'extinction des feux, tu dois invoquer son esprit. Son nom, elle est notre lieu. Il faudrait que j'aille parler à Perle. Faudrait que j'aille parler à Perle. Je dois aller. Non, déjà, je dois aller retrouver l'autre con là, le Bajmenter. J'ai des informations. J'ai des informations, Benjamin. Tu me caches des choses. Je crois savoir la vérité. J'ai vu la vérité, Benjamin. Benjamin, Benjamin, Benjamin. C'est entre toi et moi. Ah voilà. Tu te crois qu'Iris avait une sœur jumelle? Eh oui. C'est qu'il se bloque des choses. Non. Non. Peut-être parce que c'était Iris. Ou du moins sa sœur jumelle. Eh oui, Hunter. Des révélations choc. Moi aussi, je sais qui c'est. Laisse-moi du nez. Son nom. Je le vois, c'est Daniel Plutul. Depuis le début, je le savais. N'est-ce pas? Je suis trop fort. Tu dois tout me dire maintenant, Billy. Tu dois tout me dire. Je crois qu'on est sur un gros coup, putain. Moi aussi. Putain, toi aussi, alors. Toi aussi. Oui, je suis au courant. Oui!
consulté un vieux dossier de Mia et c'était exactement la même chose bizarrement. Et c'était à ce même endroit. C'est bizarre et étrange, n'est-ce pas? 2 millions de boules, mon père. Des révélations choc. Et 5 ans plus tard, pouf! Elle a assassiné sa propre sœur, c'est incroyable, n'est-ce pas? Donc, la lettre voudrait que l'on... Enfin, a ordonné... Ah bon? Ah bah dis donc, oh bah là c'est encore plus de révélation au choc. Hein, cette petite... Ce qui voudrait dire qu'elle a essayé de faire revivre Valérie. Ah ouais? Ah oh. Ah c'est un choc. Ah je suis choqué. Elle décédait, mais... Oui? Ah oui, rappelons-nous. Rappelons-nous! On exécute encore. Ah bah je suis un petit peu choqué, hein, on va pas se mentir. Ah, excusez-moi, ça c'est un téléphone qui sonne. Bon bah voilà, c'était la petite interruption qui a interrompu ce moment de révélation intense. On va pas se mentir. Donc, on ne peut pas faire revenir les morts. Mon cul sur la commode. Hunter, écoute, où sommes-nous? Dans quel endroit sommes-nous? Rapport, mer, mais... Ah, la mer. C'est ça. Pardon? Ah, ça n'avait donc pas... Ah. Ah. À ce propos, est-ce que tu... Hunter, il y a un truc... Il y a un truc que tu dois savoir. Non mais... Oui, mais... Y a un truc que tu dois savoir en fait. C'est que c'est la mère de Mia et Maya en fait. Voilà, mais bon, merci pour tout. Écoute, on est dans la merde. Première chose à faire, on va voir Iris. Iris, quoique non. Le plus logique, vu ce que j'ai, ce serait d'aller voir Perle en premier. Pour moi, ça me semble plus logique. Donc. Ça me semble logique parce que j'ai la lettre. Donc du coup, Perle... Elle est où, Olivain? Perle. Et voilà. Bon, et ben finalement, c'est... Ah, je me suis trompé, voilà. Merde. Non, reviens où t'étais.
con de toi. Donc c'est bien le 3 en premier, et ensuite le 5, hein, le révélation des twists et tout ça. Ah, ça va peut-être faire venir si je gère bien. Ça l'entraînement. Bon, Iris, je suis désolé, je t'ai accusé à tort de plein de choses. Mais maintenant, c'est l'heure du duel. C'était pas la bonne touche. Allez. It's time to c'est y part. Je crois qu'il est temps d'avouer ce que vous faisiez cette nuit-là. Je ne vais pas l'oublier, Iris. Vous avez affirmé ne pas avoir quitté votre chambre du temple Aizakura de toute la soirée. Prétendez-vous toujours que c'était la vérité? Iris, je crois en votre innocence. Je vais pousser cette tasse de café. Je vais d'ailleurs la finir. Parce que mon chocolat... Je mets du chocolat dans mon café. Et j'aimerais pouvoir aussi croire ce que vous me dites. Mais c'est impossible. Car cette personne vous a aperçu hier, le soir du meurtre. Il est où? C'était pas Paul. C'était pas Paul. C'était pas Paul, c'était Bikini. Lol, non j'ai rien dit. Oublie ce que je viens de dire. Voilà, excuse-moi, je m'ai trompé. Voilà, c'est Bikini. Je veux parler de Sir Bikini, évidemment. Son témoignage aujourd'hui était on ne peut plus clair. Sœur Bikini ne vous a pas seulement vu, elle vous a aussi parlé. Vous avez discuté de l'entraînement de Maya, toutes les deux ce soir-là. Alors, vous voyez, Iris, vous étiez forcément au temple intérieur la nuit où le meurtre a été commis. T'as vu ? Et un. Quelle heure était-il ? Je suis désolé, Iris, mais le mensonge ne vous va pas. Vous affirmez avoir quitté le grand hall à 21h40, ce qui ne colle pas avec ceci. Je sais pas. Réfléchissons. Qu'est-ce qui ne colle pas avec ceci? Et ouais, je le savais. Vous avez vous-même témoigné du contraire, vous vous en souvenez? Vous avez déclaré avoir sonné l'extinction des feux à 22h ce soir-là. C'est con. De plus, quelques instants à peine après que vous ne soyez nié cette cloche, mon témoin le plus fiable vous a aperçu dans le grand hall. Bah moi. C'est moi, tu sais bien que c'est moi. Nous avons même échangé quelques mots ce soir-là. C'est là que vous m'avez remis ceci. Vous n'avez pas oublié tout de même. Ah ah, je le savais. Maintenant, le plus dur. Ce qui nous emmène à un autre fait déconcertant, Iris. À 22h le soir du meurtre, vous avez été vu à deux endroits différents au même moment. Il est temps que vous nous disiez exactement ce que tout cela veut dire, Iris. Jusqu'ici, j'ai réussi à prouver deux choses. D'abord que vous étiez au temple intérieur, le soir où l'incident s'est produit. Ensuite, exactement au même moment, vous sonniez la cloche au temple Aizakura. Il n'y a qu'une seule façon d'expliquer cette impossibilité. Il y avait deux Iris. Le soir de l'incident, vous étiez à deux endroits différents à la fois. Donc vous deviez être deux. Je ne vois pas d'autre explication, Iris.
Impossible! Je me le demande. Vos tremblements me paraissent pourtant prouver le contraire. C'est fini. J'ai enfin saisi la situation, Iris. Vous avez une sœur, n'est-ce pas? Une sœur jumelle, peut-être? Dahlia Plantule, une femme que je ne connais que trop bien. Disons que on a eu un petit différent. Je sais, et pourtant elle a été exécutée récemment. Je suis désolé. Mais tout s'explique maintenant, pas vrai, Iris? Votre double était ici au temple le soir du meurtre. Votre sœur jumelle Dahlia Plantule! Nous sommes dans un endroit de channeling et de médium. Et vous, à vous, j'ai oublié, Iris. C'est un lieu d'entraînement à la technique de channeling, n'est-ce pas? Cette nuit-là, quelqu'un a invoqué l'esprit de Dahlia, et je sais qui c'est! Et c'est le secret que vous tentez de me cacher. C'était facile. C'était facile, il n'y avait rien de dur. Fallait juste réfléchir un petit peu. Allez, on est chaud. Ça, c'était facile. Je le savais. Parce que... Nous, bah... Pardon, j'ai mal entendu. Ouais, explique. Oh, mais vous êtes chiant dans cette famille. Ah mais qu'est-ce que vous êtes chiant là? Oh, lien familial, ça me... Ah, ça me sort. Ah... pardon, comment tu sais? Je comprends plus rien. Ouais. On dit merci Mia. Fallait qu'elle soit arrêtée. Écoute. J'ai pas compris. Je comprends. Explique. Surtout, salaud. Pardon? Ah, vous saviez pour votre mère. Je comprends mieux. Mon grand, elle savait pour leur mère, hein. Voilà. Oui, Morgane, évidemment. Pas de Misty, hein. Ouais. Oui. Non, mais moi, je suis sûr à 100%, c'est Godot le coupable. Enfin, c'est Godot le... Pas le coupable, mais... l'ancien mari de Morgan Fay. Ah, des révélations. C'est une révélation. Oh, c'est pas bien. Oui. D'accord. Ouais. Ouais, toi aussi. Eh, Francisca. Ah.
T'as vu? C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est incroyable. Et c'est quand même une coïncidence coïncidente, n'est-ce pas? Bon, maintenant ma dernière question. C'était moi! Quelle salope! Ouais, y'a intérêt. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai dit. Maintenant, on va s'occuper de la petite. Pas dans le sens où vous l'entendez, bien sûr. Dans le sens où ça va être le plus gros bordel pour elle. Je vais sans doute détruire son enfance. Détruire ce qui lui reste de mental. Mais pour le bien de l'humanité. Et pour mon propre bien. Je suis obligé. Oh putain. Ok, toi, tu ne bouges pas. Tu ne bouges plus. Perle, c'est l'heure de prendre une grosse fessée. Car effectivement, tu as été vilaine. Et on va parler entre adultes. It's time to do. La nuit du meurtre après dîner. Tu étais censé aller lire un livre dans la chambre d'Alice Doxin, c'est ça? Tu n'y es pas allé. Alors, permets jamais d'aller dans la chambre de Mme Doxin. Parce que si elle s'inquiétait pour quelque chose ou pour quelqu'un. Perse? Oh, y'a un plan. La nuit du meurtre, tu t'es rendu à cet endroit, n'est-ce pas? Oh mon dieu, c'est beau. Elle s'est rendue. C'est pas facile de dire stick, merde. Au temple intérieur. Eh merde. J'ai oublié de te demander pour qui ou pourquoi t'as quitté le trou. Eh oui, je vais essayer de deviner. Tu me diras si j'ai tort ou raison, d'accord? Allez, on va faire un jeu. Allez, vas-y, j'ai pas envie de faire 5 gros psychés, j'en ai plus. Et cette raison est la suivante. La lettre, putain, elle est loin de mon inventaire, elle est au fond de ma poche. Et c'était pas ça. C'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça, évidemment. Allez, c'est bon, j'ai perdu, allez, vas-y. Allez, c'est bon, on a compris. Hein. On l'a refait. C'est pas une raison d'abord. Non mais oui, c'est bon, j'ai compris. Non mais c'est bon. C'est bon, j'ai dit. Oh. Temple intérieur. Ici. Voilà. Voilà. Maya. Voilà. Excusez-moi, je vais un petit peu emporter. La raison pour laquelle tu t'inquiétais est évidente, Perse. C'est Maya, n'est-ce pas? Tu savais que l'entraînement qui suivait Maya était dangereux. Après tout, elle avait choisi l'entraînement intensif du cours spécial. C'était même elle qui l'avait dit. C'est moi. C'est drôle, lol. On se marre. Les paroles de Sir Bikini t'avaient effrayé, n'est-ce pas? Et puisque c'est toi qui avais parlé à Maya du temple Asakura, tu t'es senti responsable. Me trompe-je? Et un, je dois faire les 5. Putain, c'est chiant. Nous savons maintenant que tu t'es relu au temple intérieur ce soir-là. Ce qui nous est drôle, c'est ce qu'il s'est passé là-bas.
À quelle heure es-tu parti pour le temps à peu près? 21h30, donc ça tient. Vous avez dit que le vrai travail devait commencer à 22h. Je voulais être là avant que ça commence. Il est trop de neige, je suis arrivé là-bas qu'après 22h. Comment sais-tu l'heure qu'il était? J'ai entendu la cloche d'extinction des feux. Pourtant la cloche je serais assez petite. Je vais avoir l'ouïe drôlement fine. Elle tendait l'oreille pendant la cloche. Dis-moi, Perle, pourquoi t'es-tu autant entendre la cloche? Ah, c'est bizarre, dis donc. De quoi ça? Pourquoi tu t'inquiétais tant pour cette cloche? C'est parce que... Bon. C'est parce que ça. Voilà, on y arrive à cette... On t'avait donné les consignes à suivre. Ce soir-là. Pas vrai? Tu reconnais ces morceaux de papier, je présume? Ouais, ce que tu voulais détruire. Dans l'incinérateur, hein? C'est bizarre, Perls. Cette nuit-là, tu suivais les consignes de cette lettre, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'ils étaient primordiaux. Qu'ils étaient primordiaux que tu entendes sonner la cloche. T'as vu? Maintenant, on n'a pas fini. Ces consignes ont été retrouvées dans l'incinérateur. Je crois qu'elles t'étaient destinées, Perls. Ah bah oui. Comme tu le vois, une bonne partie a été brûlée, à cause de toi, je pense. Mais la dernière partie est encore relativement visible. Dès que tu entends sonner l'extinction des feux, tu dois invoquer son esprit. Qu'est-ce que t'as? Quel esprit étais-tu censé invoquer? Si on considère le temps, la raison pour laquelle tu écris, quel esprit, Perle? T'as bien pu essayer d'invoquer. Ne réfléchis pas trop, Phoenix, c'est évident. Anne Keeper a essayé d'invoquer. Perls, cette nuit-là, tu essayes d'invoquer. Dahlia Plantule, évidemment. C'était Dahlia Plantule, pas vrai? C'était le nom indiqué sur la lettre. Enfin, dans la lettre. Enfin, tu m'as compris. Faut pas en avoir plus de 1, s'il te plaît. C'est chiant. C'est exactement ce que je pensais. Alors, il y a un truc qui s'est lancé en arrière-plan. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est bizarre. Mais Dahlia Plantule. Oh, t'es twist. Twist, twist. Que sais-tu d'elle, Perle? Sais-tu quel genre de femme Dahlia Plantule était? Moi, je te le dis, c'était une pute. Avant d'avoir lu les consignes, je n'avais jamais... C'est bien ce que je pensais. On n'est pas sorti du salon. On n'est pas au courant de rien. Ça ne doute même pas que Dahlia et sa sœur. Oui! Oui! À propos des consignes données dans la lettre que j'ai trouvée, Perle, qui les a écrites? Ah là, par contre, c'est la vraie question. Quelle que soit la personne qui t'a... Ah bah non. Ah non, je sais. Tu dois avoir beaucoup de respect pour elle. Après tout, je suis les consignes sont... Qui a écrit les consignes à ton attention? Alors, j'hésite entre... J'hésite entre Morgan et Elise Doxim. Dans le doute... Putain, c'était Morgan. C'était ta mère! Je me demande quelque chose. Je n'avais aucune idée du sens de ces consignes, n'est-ce pas? Mais elle te les a quand même suivies scrupuleusement. Parce que c'est ta mère qui te les a demandées. Je suis... Putain de tasse. J'ai deviné. L'auteur de cette lettre, c'était Morgan Fay, ta maman. C'est fini, dis-moi que c'est... Oh non, il reste. Il est temps que tu me dises la vérité. Pourquoi ne peut-être pas se confier à moi? Mais non, je... Oh putain. Je n'ai pas dit ça. D'accord. D'accord, ok. Très bien. Ok, jouons. Nous avons tous les deux qui étaient exécutés ces coincés une soirée-là. Mais tu as raison, aucune preuve n'indique que c'était toi. Cependant, pour ce qui est toujours en cependant, je sais que la première question était un enfant. Ça ne pouvait pas être un adulte. Les adultes ne commettent pas d'erreurs si élémentaires, Sherlock. Lol, une erreur élémentaire. Je suis sûr que tu as cru suivre attentivement les indices, mais tu as confondu le sens de certains mots et cette pièce de conviction l'éprouve. Alors attendez, que je relise la lettre. Alors, ça prend une fois, il est tombé sur...
je crois que j'ai trouvé. Attendez, est-ce que si c'est ça, je rigole. Putain, je rigole. Ils l'ont fait. Ah putain. Ah bravo. 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 Bravo, bravo, je sais pas quoi dire. Non mais bravo. Bravo, bravo. T'as voulu faire retirer. Oh. Oh là là, les enfants. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Oui, c'est si simple, mais pourquoi chercher aussi loin? Ah là là là, ma perle. Oui, un tout petit peu, hein. Mais tu étais prêt, t'étais à ça d'avoir réussi un truc parfait, j'avoue, c'est pas mal. Ouais. Youhou! La fin de l'épisode, pas trop tôt, j'ai faim. Bon, on va parler maintenant. La nuit du crime, ce qui s'est passé, et on va revenir à tes pouvoirs disparus. Oui, pourquoi pas? Allez, dis-moi tout. Oh, c'est bon. Tu t'es endormi. Bref, bon. Ouais, tu t'es retrouvé, voilà. T'as réchauffé la sauce et tu t'es défoulé. Ça explique. Ça explique. Oui. Normal. Non, Paul, dis rien, s'il te plaît. Ah oui, non, mais tu ne comptes pas, Paul. Et donc, quel rapport entre ça et les pouvoirs? Comment ça, non? Tu n'as pas pu, donc. D'accord. Qu'est-ce que ça veut? Donc. Et si quelqu'un avait déjà invoqué cet esprit? T'as vu, je l'ai deviné. Tiens, voilà. C'est une logique élémentaire, voyez-vous. Non, ta gueule, Paul, ta gueule, Paul. Est-ce que ça serait pas par hasard Maya? Hein? Qui aurait invoqué l'esprit de Dalia Pantule? J'ai pas envie que ce soit le cas.
Non mais... Ah, elle est mourue. Ah, une prison. Ça ressemble vachement à un centre de détention pénitentiaire. Oh, avec des yeux révulsés pareil, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Je vais pas lui dire maintenant la vérité, ça va être trop pour elle. Voilà. Elle a la photo. Elle l'a gardée. Oui. Ah non mais Paul est un con hein. Mais quoi donc? Décacheté. Oh merde. Oh merde. Oh non, 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 je sais qui l'a décacheté. Je crois savoir. Ah oui, regardez. Je sais. Salut. Tranquille. Ouais. Godot, où est ton café? Ah oui, oui. Pourquoi tu le sais? Comment tu le sais? Mec, t'es en train de me parler de tes filles, là. Je sais tout de toi, même si le scénario n'a pas encore dit. Très belle musique, en passant. Oui, demain... ce sera fini. Va boire ton café. Non. Il ment, je suis sûr qu'il ment. T'as l'air retourné à la crotte, hein, ça serait pas mal. Tu mets pas le fin d'épisode tout de suite. Ah. La lettre. Comment ça? D'accord. Oh non! Ah non, mais merde! Non, je suis pas d'accord! Fin d'épisode nul, voilà. Zéro. Nul. Tu sais ce qui aurait été bien, jeu? Ce serait que tu me mettes que ce n'était pas fini, qu'on aille à la grotte intérieure, et que là, on voit un plot twist. Genre, tu mets Maya, genre, qui est dedans un peu dur, et là, tu la fais se retourner. Révélation, des pouf! Fin. Mais je suis content parce qu'il y a énormément de révélations. Oh, tout s'embrique, tout se concorde. Moi je dis que c'est Godot qui a fait en sorte de... C'est Godot l'ancien mari de Morgane. Moi je suis sûr c'est ça, je suis prêt à prendre les paris. Mais beaucoup de révélations donc. Morgane a les trois filles, Dahlia, Iris et Perle. Dahlia et Iris sont jumelles, ils sont partis avec le père... Ils sont voulus se venger de leur père. Sauf qu'il s'est passé plein de choses. Dahlia est morte. Ce qui en soi pour moi est une bonne chose. Parce que voilà, un boulet en moins. Et demain, enfin, dans les prochains épisodes, les, j'espère, deux ou trois derniers, je ne sais pas, ce sera fini. La vérité éclatera au grand jour. Et nous saurons tout. Les vérités. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout rempli de twists. J'espère que ça vous aura plu.
Si c'est le cas, eh bien, comme d'habitude, tout ce qui est la commentaire et tout ça, vous m'excusez un instant. C'était le dérangement de fin de vidéo, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je dis? Oui, donc, si ça vous a plu, like, commentaire, tout ça, abonne-toi. Abonne-toi seulement si tu as envie de voir d'autres épisodes, si tu aimes mon contenu. Et que tu aimes ce que je fais. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine.